Ашы қарыға бұрып жазылыған бақта, о үйден біз құтқызыңла деген вақырған ашындық чырқыраған ечіншілік авазыланы дайым аңлап тұрымыз. Оланың өәші қинашыларға қарап тоқты бастын, ерім саат, әтті бір саат шығыш ұрып қинашылардын, мала инсан му, әмес му деп ойлынып қалысыз. Тоқал тәкілеуілен шу қыз аялланың ке, мәкәт юлларға, әтті жинси юлларға тіқіп, ашыланы қорлайды ба, қинайды қалыған аңлап, мән өземні басанмай, өңіреп жығылап кеткейді. This is the judgment of the Uyghur Tribunal. Torture is established beyond reasonable doubt. Crimes against humanity attributable to the PRC is established beyond reasonable doubt. On the basis of evidence heard in public, the tribunal is satisfied beyond reasonable doubt that the PRC, by the imposition of measures to prevent births intended to destroy a significant part of the Uyghurs in Xinjiang, as such, has committed genocide. Le 9 décembre 2021 à Londres, un tribunal symbolique composé d'experts et de juristes a rendu un verdict historique. Après plusieurs semaines d'auditions de témoins, pour les jurés, le doute n'est plus permis. Un génocide a bien lieu en ce moment même contre les Ouïghours. La réaction de la Chine tombe immédiatement. Le soi-disant verdict d'une telle machine à produire des mensonges n'est rien d'autre qu'une farce politique mise en scène par une poignée d'individus méprisables. Quelques semaines plus tôt, dès le début du procès, Pékin avait donné le ton. La Chine a raison sur un point. Le tribunal ouïghour de Londres n'a aucune compétence juridique. Mais son impact n'en est pas moins considérable. Le verdict fait le tour du monde. Et surtout convainc des parlements de valider officiellement le risque de génocide. Comme à Paris, le 20 janvier 2022. Il n'est pas besoin de convoquer l'image du charnier, de la chambre à gaz ou de la machette pour établir la réalité d'un génocide. Le tribunal citoyen de Londres a démontré en décembre dernier que la politique du gouvernement chinois relève de la Convention de 48 sur le génocide. Alors je rêve aujourd'hui d'une assemblée unanime où chacun d'entre nous, en votant cette résolution, en reconnaissant ce génocide, fasse résonner jusqu'au Xinjiang, jusqu'en Chine, la voix de l'humanisme et de l'universalisme des droits humains. Merci. Agir pour les Ouïghours, c'est donc voter en faveur de cette résolution, ce que fera naturellement le groupe Agir Ensemble. Notre groupe sera bien évidemment en faveur de cette proposition de résolution. La priorité est d'agir de la façon la plus unanime pour faire cesser ce génocide et bien sûr, nous serons complètement à vos côtés. La majorité se prononcera donc en faveur de cette proposition de résolution. 175 votants, 170 exprimés pour, 169 contre 1. La proposition est donc adoptée. But this time. Cette fois, je pense que nous avons une opportunité exceptionnelle d'au moins faire quelque chose, de reconnaître à temps l'existence de ce génocide, qu'il puisse être empêché ou pas. Parce que ce génocide se déroule sous nos yeux, lentement. Donc c'est une occasion historique d'agir. Et si rien n'est fait, ce sera une faute historique. Le Xinjiang, les Ouïghours, un génocide en cours.
Comment en est-on arrivé là? D'où vient cette accusation? L'un des premiers à en avoir parlé au plus haut niveau, c'est lui. En 2019, Mike Pompeo était le secrétaire d'État du président Trump. Pour attaquer cette Chine devenue une rivale, il va appuyer là où ça fait mal. And in China is home to one of the worst human rights crises of our time. It is truly the stain of the century. Since April 2017, the Chinese government has detained more than 1 million Chinese Muslims and other minorities in camps in Xinjiang. 1 million and 1 million. Stop. C'est plus compliqué que ça. Reprenons les choses par le début. Le Xinjiang, c'est cette province chinoise, à l'extrême ouest du pays. La plus grande de toute la Chine. Elle regorge de ressources naturelles. Gaz, pétrole, charbon. Et elle est la porte d'entrée pour les nouvelles routes de la soie vers l'Occident. Elle est peuplée pour moitié de minorités musulmanes turcophones. Principalement des Ouïghours. Officiellement, ils sont 12 millions. Pendant des années, personne ne s'intéressait vraiment à eux. J'en sais quelque chose. Sur cette photo, j'ai 25 ans. Nous sommes à la fin des années 1990. Je travaille pour la presse écrite et je découvre le Xinjiang. La région est en ébullition. Les Ouïghours ont vu la récente chute de l'Union soviétique et la création de nouveaux pays en Asie centrale voisine. Pékin comprend le danger et réprime chaque manifestation dans le sang. L'opposition me parle d'avortement forcé et de stérilisation. Me remet des photos à peine soutenables. J'ai du mal à croire à toutes ces horreurs. Alors, j'y retourne. Pour enquêter encore. Sur une vingtaine d'années, je vois l'arrivée massive des colons chinois. Je vois les destructions méthodiques des quartiers entiers construits du temps de Marco Polo. L'effacement progressif d'une culture millénaire. La tension monte. Pékin est obligé d'envoyer toujours plus de militaires sur place. Comme ici en 2014 à Kashgar, l'une des plus grosses villes à majorité ouïghour. À l'époque, on m'alerte déjà sur les emprisonnements de masse, de jeunes qui disparaissent du jour au lendemain. Ils seraient envoyés dans des prisons, vers le désert. J'y étais allé. Des kilomètres de grillage et de barbelés au milieu de nulle part. Et soudain, un camp de travail. Et c'est des prisonniers qui ont fait des crimes? C'est quoi? C'est pas un prisonnier politique. Prisonnier politique. Les détenus sont en uniforme bleu et orange. Bleu et orange. Les couleurs réglementaires des tenues des prisonniers et des victimes du travail forcé. Sur ces photos satellites, on reconnaît parfaitement les serres agricoles sur la droite. Et sur la gauche, ce que je ne pouvais voir de la route. Un vaste complexe carcéral entouré de murs avec des miradors. J'ai tourné ces images en avril 2014. Exactement au même moment, Xi Jinping lance secrètement une nouvelle campagne de mise au pas du Xinjiang. Pour y parvenir, les arrestations doivent se multiplier de manière industrielle. Et pour enfermer tous ces prisonniers, il faut de la place. Beaucoup de place. Dans les mois qui suivent, la prison que j'avais filmée doublera de volume. Partout dans la province, Pékin construit des centres de détention. Des milliers. Tous ces points sur la carte du Xinjiang
ce seraient des sites d'internement. Les jaunes pour les camps de rééducation, les rouges pour les prisons et les verts pour les camps de travail. En tout, il y en aurait près de 400. Ça, c'est ce que prétendent des experts internationaux d'images satellites. Pékin crie au complot, répète qu'il n'y a pas de camp, ou alors qu'il s'agit juste de centres de formation professionnelle. Affirmation qu'il faut croire sur parole, puisque la région est devenue inaccessible. Quasiment inaccessible. Fin 2021, un jeune youtubeur chinois diffuse une vidéo accablante pour le régime. Il se fait appeler Guan Guan. Son idée était simple. Reprendre les points GPS des experts en satellite et aller sur place, au Xinjiang, pour voir ce qu'il s'y trouve. Pendant plusieurs jours, il est allé d'un site à un autre et a volé des images de ces prisons qui, officiellement, n'existent pas. Petit à petit, les preuves s'accumulent contre la Chine. Des rapports d'organisations humanitaires sont publiés. Des survivants commencent à témoigner. C'est suffisant pour que des gouvernements se mettent à accuser la Chine de génocide. En Europe, plusieurs capitales suivent le mouvement. Pékin ne compte pas se laisser faire et menace tous ceux qui osent soutenir les Ouïghours, y compris des parlementaires. Samuel Kogolati est député vert à l'Assemblée belge. Il a été le premier élu au monde à faire voter la reconnaissance du risque de génocide. Le jour même où nous avons déposé le texte, et donc cette proposition de reconnaissance du génocide ouïghour ici au Parlement à Bruxelles, l'ambassade de Chine en Belgique répondait immédiatement, envoyait une lettre à la présidente de l'Assemblée législative, pour lui demander de ne pas discuter, de ne pas mettre ce texte à l'agenda, ce qui est excessivement rare. Moi, c'est la première fois que je voyais un État tiers qui se permettait quelque part une ingérence dans les affaires internes d'un Parlement, d'un pays démocratique comme la Belgique, qui se permettait de dire « attention, ne discutez pas de ce sujet ». Pour être franc, l'agressivité du régime chinois ne m'étonne pas. Je sais que la question du Xinjiang est sensible pour Pékin. Très sensible. C'est pour cela que je prends toutes les précautions possibles pour protéger mes informateurs. Certains encore plus que d'autres. C'est le cas de celui que je vais voir maintenant. C'est un officier de la police criminelle chinoise. Il a été en poste dans la région Ouïghour. En 2020, il a fait défection et s'est réfugié en Allemagne. Il a longtemps hésité avant de me recevoir. Comme dans un film d'espionnage, le lieu du rendez-vous doit être tenu secret et son anonymat soigneusement préservé. Il sait qu'à terme, les services chinois finiront par découvrir qui il est et se lanceront à sa poursuite. Mais il veut encore se laisser quelques jours, quelques semaines de répit avant de les affronter. Les camps, il les a vus. Les prisonniers, il les a vus également. On enferme des innocents. Quand je suis arrivé en poste au Xinjiang, j'ai entendu qu'il y avait 900 000 prisonniers. Dans tous les villages, il y a des camps de concentration. Avec leur politique de répression, ils enferment tout le monde. On les torture avec de l'eau glacée et d'autres techniques plus atroces, jusqu'à ce qu'ils parlent. Ça dépend de la résistance des prisonniers face à la souffrance. Pour obtenir plus de résultats, on torture encore plus. Tous les moyens sont bons, notamment avec des matraques. Ce sont des pratiques très fréquentes au Xinjiang. Ces séances de torture, des victimes étaient venues les décrire devant l'Assemblée d'experts à Londres. During the period of your detention incarceration, please could you describe some of the ill treatment, torture as you've alleged in your statement, that you suffered and or witnessed others suffering? Әмде сізді көріп отқан бұл зәнжір әмәлиетте мен ұшының ішінде 7 ай 10 күн
taqab yaşığan nerse, eğer Suudiya efendimle buna ruhsat kısa, işte taqab emniyetini köstüp koyuğun ba sizlere. Dastlabda yo'lbars o'rindiq o'ltirg'izilib, rizqi qaltak, tokqattaklar bilan qattiq burildim. In the beginning. Ne, bu lohudong. Zhendeng lohudong shi ba ren guding. La chaise du tigre, c'est comme crucifier quelqu'un. Dian qi lai na guding, na jiao lohudong. Ni suo shuo de na shi shen xun yi. Shen xun yi jiu ji shu sha, ta rang ren wang. C'est pour mettre une pression maximale sur les prisonniers. Shen xun ni bu de ya fu ren de xin li ma. Pour montrer leur pouvoir et soumettre les détenus qui n'obéissent pas, les policiers les frappent. Il y a 20 ans, ce genre de pratique était courante dans d'autres provinces de Chine. Maintenant, c'est terminé. Mais pas au Xinjiang. Là-bas, les autorités nous laissent faire ce que l'on veut. Kendin cheksiz huquq berilgan ularga shunga ular xalqining qalalaydi. O'zlari xalqan ko'zi tushib qolgan ayollarni tanlab ichki dedi keshdi. Etsi yandirib yib keladi. Three things from your statement. The instruments of torture in the black room included the electric chair in which you were electrocuted, an iron rod, an electric stick, many tools and a sword-like tool with a sharp end. Correct? Tora. Yes, correct. Many thanks to... Les actes de torture au Xinjiang ne feraient plus guère de doute. Pour autant, est-ce suffisant pour qualifier le drame ouïghour de génocide? Selon la Convention des Nations Unies, la réponse est non. Pour qu'il y ait génocide, il faut prouver l'intention de détruire tout ou partie d'un groupe ethnique ou religieux, soit par des meurtres de masse, des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale, la soumission à des conditions d'existence entraînant la mort, le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe, l'imposition de mesures visant à entraver les naissances. Au Xinjiang, nous faisons face à un nouveau type d'atrocité. Nous n'avons pas le classique meurtre de masse avec des zones entières recouvertes de cadavres comme au Rwanda ou en Bosnie. Nous n'avons pas de charniers à découvrir. Nous nous trouvons face au cinquième critère de la Convention des Nations Unies avec les entraves aux naissances. Il n'existe pas de précédent. C'est tout aussi valide, tout aussi problématique, c'est tout autant une entrave à la vie. C'est tuer en empêchant des centaines de milliers, si ce n'est des millions de vies à venir, à travers les stérilisations, les pauses forcées de stériliser et les opérations. Et nous disposons de preuves documentées, ce qui est essentiel. Le chercheur allemand s'appuie sur des centaines de rapports officiels qu'il a exhumés sur des sites internet gouvernementaux chinois, comme ces statistiques sur le nombre de femmes stérilisées. La courbe orange, c'est celle du Xinjiang. Elle explose, alors que la bleue, celle de la Chine, s'effondre. L'objectif de Pékin devient évident. En réduisant les naissances, les Ouïghours seront bientôt trop minoritaires pour réclamer leur indépendance. Dans les documents officiels de sécurité d'État, les directives sont claires. Elles nous indiquent comment nous devons lutter contre le séparatisme au Xinjiang pour que ça ne devienne pas la Tchétchénie. Nous disposons de témoignages de femmes qui ont été stérilisées ou de médecins ouïghours qui disent avoir été forcés de pratiquer des opérations, mais aussi de prisonnières de camps d'internement qui racontent comment elles ont été jetées dans des bus par la police chinoise pour être emmenées dans des cliniques sous haute sécurité et qu'elles y ont été stérilisées. En fait, nous avons beaucoup de preuves. Менеке иштеген ласкойд, асла да тақсын болған ласкойд, докторханда, базарлық докторханда,
bir haftada en azında bir 20'den 30'a kadar bal alıyordu. Her gün 4'ten 5'ten 10'a kadar. Biz aşu yığın okul urup aldeslata bu öldürüp kalan iken adamın içi çıdamaydı. Bunun biz devamlı kalıp bazı yerde ulanın köyüsü ötmeyi durup nim kagallarımız var. Mesela azrak revanın bir kagallarımıza bir okul saldı kalı var. Onun karab durumuz. Yakomuzda başka bir okulunu selip Türk doğal doğallarımız var. Ama Türk doğal doğallarını ulan yanına ötürüydü de. Cette femme s'appelle Şemsinur Abdigafur. Elle a été infirmière pendant des années avant de fuir en Turquie. Face au tribunal à Londres, elle a osé briser le silence sur les avortements forcés. Quelques jours plus tard, les autorités chinoises ont diffusé sur Internet une vidéo. On y voit deux femmes qui racontent qu'elles mentent. Il s'agit de sa fille et de sa sœur. Atam beni köyde olmama, umurlar attı. Toda olmama, çoğun olduğum hazır. Daşı çıktım, hiç geri de okumadım. Ehvalız kandara, ağızım. Sa fille, elle n'a jamais réussi à la faire sortir de Chine. C'est la première fois qu'elle la revoit en 5 ans. Hazır bizdeki Şincan'da en medenliki, naite bəxtlik, yaşavatkan bir mezgilde, sınan bu getirin, tutulay, hakaret, Dövetimiz kılınan bir hakaret. Sen en yakısı bu getir, onu yığıştırval. Biz senden nefretimiz buna getir. Ben onlara edemledim, ben mülkedeki başım. Ben onlara kızlarımı kutuzup kolladım. Beğendim inşallah. Allah nasip olsa. Yemekler biz yine sıkılar. Tous les réfugiés qui s'expriment publiquement doivent s'attendre à recevoir ce genre de vidéos. Le principe est simple et efficace. Attention, votre parole met en danger votre famille restée au pays. Ce chantage ne sert pas qu'à faire taire les opposants. Il peut les forcer à jouer les informateurs. La séquence qui suit est rare. Deux Ouïghours sont en appel vidéo. Celui qui apparaît en grand sur l'écran du téléphone vit au Xinjiang. Il appelle son frère, Almat, qui s'est installé au Japon. <音><音>你好，海文。啊，女士，客人。你好。嗨。我说的话能听懂？可以听懂，但是不会说。你说。是吧？你是哪个单位的？我跟你这样说一下。啊，你哥刚才跟你说了，在这个视频上咱们就不说哪个单位了，但是你肯定心里知道。 嗯嗯，不对你的情况我是非常清楚的，非常清楚。啊，你从咱们这个地区水利局工作，完了以后出去留学，完学了以后回来，发生了很多很多的事情。我想这个事情对你可能这个，对你的心情也好，人生也好，有很大的影响。不是，你就今天是母亲节。啊，你就具体点，你就想什么，想了解什么。 Avant de répondre, l'agent chinois se tourne vers le frère et fait bien comprendre à Almat qu'il le tient en son pouvoir. Almat recevra d'autres appels du policier.
il refusera de collaborer. Toutes ces intimidations chinoises, c'est à cause d'elles que si peu de Ouïghours acceptent de témoigner. La diaspora a compris qu'elle devait relever ce défi, celui de l'information. Muiter Ilikud est une militante du Uyghur Transitional Justice Database, une plateforme qui recense les disparitions au Xinjiang. Sa mission, collecter un maximum de preuves auprès des victimes partout dans le monde, comme ici, à Istanbul. C'est notamment sur son travail que s'est appuyé le tribunal de Londres quelques mois plus tôt. How many of these people did you actually personally interview? I can't give an estimate, but for the past one year, after I started to work at the UTGD database, I have been interviewing, maybe up to 50 or 100 direct and indirect witnesses. How many languages do you speak? I speak four languages. Uh-huh. Uyghur is my mother tongue, but I grew up learning Mandarin, so I'm fluent in Mandarin Chinese. And okay. I was raised in Norway, so I speak Norwegian and also English. Wow. Okay, thank you. Longtemps, Muiter ne s'est intéressé que très peu aux problèmes de son peuple. Tout a changé quand la Chine a attaqué sa famille restée au Xinjiang. Je restais dans ma petite bulle, assez naïve. J'étais beaucoup moins en lien avec la communauté ouïghour. Je vivais ma propre vie d'étudiante à l'université. En fait, je prêtais à peine attention à ce qui pouvait bien se passer dans ma patrie jusqu'à ce que j'appelle ma grand-mère en 2017. La dernière chose qu'elle m'a dite, c'est « ne m'appelle plus ». Elle a ajouté « la situation se complique, ne nous appelle plus. On te recontactera quand ça ira mieux ». Bien sûr, ça n'est jamais arrivé. And of course, it never happened. Le déclic a été radical. Dans la foulée, Muiter décidait de changer de vie et de se mettre au service des victimes. Après tout, je suis moi-même une Ouïghour et une victime. J'ai de la famille dans les camps. J'ai des proches qui ont été emprisonnés, relâchés, qui en sont sortis handicapés. Être un membre de leur famille, ça m'oblige à faire quelque chose. Le devoir de rendre compte des histoires les plus tragiques, comme celle de ces deux hommes. Il y a quelques années, ils ont fui la Chine pour trouver refuge en Turquie. Puis ils ont tenté de faire venir leur famille. Trop tard. Celle-ci avait été jetée en prison. Ce petit Ouïghour qui récite parfaitement sa leçon en langue chinoise, c'est l'un des enfants disparus. Sultan Haji Mohamed se trouve dans la même situation. Sa femme a été envoyée dans un camp et ses trois enfants dans un orphelinat. Arracher les enfants à leurs parents quand ils sont tout petits et leur faire oublier jusqu'à leur langue et leur culture, c'est l'une des méthodes de Pékin pour résoudre dans un futur proche la question ouïghour.
Je pense que le plan sur les 10 à 20 ans à venir est une forte assimilation et une réduction drastique de leur vie spirituelle, de leur particularisme linguistique et culturel, sauf pour tout ce qui est folklorique. Ils les laisseront chanter, danser. Mais leurs valeurs profondes, le cœur de leur identité ethnique, sont en train d'être érodés et détruits, tout spécialement pour les jeunes générations. Douleur, émotion. Il arrive un moment où les mots ne suffisent plus pour décrire le pire. Metter veut voir, imaginer le réel, à défaut de le vivre. Idriss Ayas, un jeune Ouïghour, va l'y aider. Il vient d'ouvrir en plein cœur d'Istanbul le musée du génocide Ouïghour. La visite débute par la terrible chambre noire, celle où les prisonniers ouïghours subissent les interrogatoires. So if you want to experience it, you can sit down and I'll let you experience the tiger chair. Sure, I can do that. I heard about this from a lot of interviews with the camp survivors. Yeah, you can put down your feet. Just put your feet on the floor. On the floor? Yes. Okay. So it's gonna be like fitted. You'll be locked down here, okay? Yeah. And also your arm. Oh wow. Okay. Okay. So this is the electric shock. So yeah, this is the tiger chair. Post abortion and post sterilization, as you can see. Idriss est arrivé en Turquie il y a 10 ans. Ses parents sont restés au Xinjiang. Depuis 2017, il n'a plus aucune nouvelle d'eux. Il ne sait même pas s'ils sont toujours en vie. Ce musée, c'est son idée. Il veut provoquer le visiteur, le choquer, pour qu'il s'interroge et réagisse. It's terrible. So we want actually people to realize this part about genocide. So forced sterilization and abortion is like it's important part, a vital part of the genocide happening in our region. So we can move on to the concentration camp cell. So actually, as you can really see from the drawings here, it's actually drawn by some of the camp survivors or drawn by, according to their testimonies. We try to make it as real as possible, as people to realize it and feel it, the real feeling. Yes, I can see that. I have interviewed so many camp survivors, and this is, exactly what they have talked about, but more visualized. It's exactly what I heard from the camp victims. Yeah. Definitely. So it's terrible. So
Certains disent que c'est un génocide lent. C'est exactement ça. Génocide. Depuis le début de cette enquête, ce mot revient sans cesse. Il en deviendrait presque banal. Pourtant, même lent, il garde un objectif effroyable. Éradiquer définitivement un peuple. Mutter est de retour chez ses parents, dans une petite ville du sud de la Norvège. C'est aussi pour eux qu'elle se bat. C'est vraiment ça. C'est vraiment. L'histoire de cette famille est tristement banale. Pour échapper aux pressions chinoises, elle a dû fuir. Les grands-parents, eux, n'ont pas pu les suivre. Oslo, capitale de la Norvège. La vie y est si paisible. Ce samedi matin d'avril, les promeneurs profitent en famille des premiers rayons du soleil. Comment croire que l'enfer existe quand on vit dans un monde de paix et d'équilibre? Mutter se dirige vers les locaux de l'association pour laquelle elle travaille. La petite équipe l'attend. Ils doivent appeler un homme, un Ouïghour. Il s'appelle Sadirdine et vit au Kazakhstan avec ses trois enfants. Sa femme était partie toute seule en Chine en 2016 pour un voyage d'une semaine. Elle n'est jamais revenue. La dernière fois que nous avons parlé à ce témoin, c'était en décembre 2019. Et il nous a dit que sa femme avait disparu depuis des années. Mais après que nous avons diffusé son témoignage sur notre chaîne YouTube en 2019, sa femme a soudainement repris contact avec lui, trois jours plus tard. Voilà la vidéo. Elle a été tournée au téléphone portable au Xinjiang, dans une voiture, loin des regards. Surtout ne pas se faire prendre par les Chinois. Sadirdine a suivi son conseil. Il a patienté. Mais son épouse reste introuvable. Alors il a compris qu'il devait agir. Terminer le silence. À partir de maintenant, il fera tout pour que le monde entier sache que la Chine a détruit une famille innocente. Когда она придет?
я скучаю. Я хочу, чтобы она приехала. Les mois ont passé. La situation est restée la même. Sadirdine ne voit plus qu'une option possible. Aller en Chine pour enlever sa femme. Salam alaikum. Qanala l'enversement. Men avusizni mashu vatanga berib ayolingizning izdirigini qildi deb tushundim shundaymi? Ash to'g'risida qisqacha so'zlab bersangiz bo'lardi. Men aslida ashu 2017-da yalqi ayolimning chiqmaydiganligini bilib men mollarimni elib chiqmak ashu vatanga kiraman deganda Әмдіме ағдыр үземнің маңашындап, немі қырайып құрасын, ақыры бір өлім кен, инсанды, шықпетім өлмейді кен бұ дүниеді. Біздіңкі мау ішқанды тұрдыған, біздің ішқандық әфран, сізнің аялыңыздың ғазір тұрватқан орынының тепіп шықыпты, сателлит анализіз бұдан. Әл вивре іси, ән банлиу де Кашгар, proche de la frontière avec le Kirghizistan. Sur une carte, ça paraît tout près, tellement près. 500 kilomètres, 500 petits kilomètres, une journée de route. Voilà ce qui sépare Sadirdine de son épouse. Grâce à Muter, il sait désormais exactement où elle se trouve. Il suffirait d'obtenir un visa, d'aller la chercher, la sauver. Les Chinois, il saura les convaincre quand il sera sur place, devant eux. Il en est persuadé. C'est si simple, dit comme ça. Alors il a pris la voiture, ses enfants, et a roulé du Kazakhstan où il vit jusqu'aux montagnes kirghizes. Je pars retrouver ma femme. Et comme j'y vais avec mes enfants, les autorités chinoises vont être obligées de lui rendre son passeport. Parce que selon le droit international, on ne peut pas séparer les enfants de leur mère. With the child. Мұны тағыланды көрдің ла ма? Мұның ақысында границы түшәдің ла ма? Кейін қарзадың оқысаң ла, мұның ақысы да біздің вәтен, біздің родин, наша уйгурска. Сейчас она называется Шинджан. Под китайцем, под влиянием китайцем. En 2016, la mère de ma femme lui a demandé de venir au Xinjiang pour témoigner en faveur de son père qui avait été jeté en prison. Elle ne devait partir que quelques jours. Mais dès qu'elle a franchi la frontière entre le Kazakhstan et la Chine, elle a été piégée. Elle s'est retrouvée en prison, elle aussi. Aujourd'hui, ça fait 5 ans et 8 mois déjà, et elle n'a toujours pas d'autorisation de rentrer chez nous. Le 30 mars, c'est le jour de votre anniversaire. Vous avez eu le jour de votre anniversaire. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux ma maman. Maman? Ah, Inch'Allah. Апак чықыды құдайым берсі. Il y avait bien longtemps que la petite famille n'avait pas été aussi heureuse. L'espoir de retrouver cette épouse, cette mère si longtemps disparue, ressurgit. Et pourquoi pas pour les 9 ans de la petite Fatima? Son anniversaire est dans une dizaine de jours.
Mais pour cela, il faut traverser ces sommets enneigés, ceux qui entourent Bichkek, la capitale du Kirghizistan. Avant de faire sa demande de visa, Sadirdine veut savoir quelle est la situation en terre kirghize. Est-ce que la frontière avec la Chine est ouverte? Est-ce que, comme au Kazakhstan, les militants ouïghours sont traqués, parfois arrêtés et remis aux autorités chinoises? Toutes ces réponses, un homme peut les lui donner. Ce retraité si chaleureux est une personnalité qui compte parmi la diaspora locale. Il s'appelle Rozi Mohamed et représente le Congrès mondial ouïghour au Kirghizistan. Bazı bir telefon kılıp videolarını evetip koydu. Aşo mesela ötken jılı Fatima'nınki küçük kızımın tuğulgan günde çıkamayım amışına bir videonu çık nim kıp diken. Sizni yaxşı görmesini bek sevindim. Dadanızım sevindim. Müslümcüm sevindim. İlzat Akanızı sevindim. Ötken Milan sevindim. Мен күнде мындай рәсемләрне салымынчы, рәсем салымы, мәсәлән, бүгенме телефон түнегенке рәсемле. Бүгенге кылдык, мәсәлән, түнегенге кылдым, бүгенге кылдым. Бүген телефон кылдым. Кеп атыкчаң сөзүлдүк мана. Еш кандай җавапсыз да? Җавапсыз. Мана кызым агырган вакытлардан видеоны сеп койдым. Еш кандай җавабы юк. Телефон кылатыны җавап юк. Aslında udul aşın telefonunu ilişki cüret kılamaydı da kokudu hükümetin. Siz iyiye vize verse iyiye kırsanız yeterli ki. Çünkü siz hem de ballarınızı davetsiz, iyiye kirmendeysiz. O Hıhtay bu Hıhtay'dak ilki mihrsiz bir ilki cellat tüsa buna. Балларымны яг апрынан сын шу йох укуй турушу. Ал иншааллах апама. Балла мешанын граждан Казакстан. Казакстан граждан болда барса чыкты. Шуның үчен о яге кирмен деп онда кунам. Чөнки азыр мына мушу ватандан чыгып мешада тижарат кылаткан Кыргызстанда тижарат кылаткан балланын нургыны кирип кетип, амин Аллах бар йок. Le projet familial doit être abandonné. Sadirdine ne prendra pas le risque de perdre ses enfants ou d'être lui-même arrêté. Les condamnations diplomatiques et les pressions médiatiques n'ont rien changé à l'attitude de la Chine. Le pays continue de violer ouvertement les droits les plus basiques des Ouïghours et des autres minorités turcophones du Xinjiang. Les gouvernements ne sont en fait pas très intéressés par les violations des droits de l'homme parce que ce n'est pas ce qui les fera réélire. Les gouvernements veulent être réélus. Ils ont besoin d'avoir une bonne économie, des emplois, entre autres choses. Et pour cela, ils ont souvent besoin de la Chine. Je ne vois pas l'attitude qui serait nécessaire pour remplir l'obligation qu'ont les gouvernements selon la Convention de 1948. Je ne le vois pas. Le drame du Xinjiang joue un bien mauvais tour aux grandes démocraties américaines et européennes. Il les force à révéler un visage peu reluisant. Celui d'États prêts à fermer les yeux sur le pire des crimes au nom d'intérêts économiques et politiques. En décembre 2021, le président du tribunal de Londres, Sir Geoffrey Nice, n'avait pas caché son amertume. The tribunal feels some unease about making findings of this crime on the basis of evidence that links the crime to the very highest political figure of a country. It would seem altogether more appropriate for such things to be dealt with by governments
or international organizations. But governments have no courage to do such things. Neither does the United Nations, where a powerful state is involved. La chose juste est de faire quelque chose, de le dire haut et fort et de dire « ça c'est mal » et de sanctionner les violations des droits de l'homme n'importe où dans le monde, y compris en Chine. La chose juste est de dire que ce travail forcé, nous ne pouvons pas en importer la production, simplement parce que c'est mal. Y aura-t-il un effet positif ou pas? Qui sait? C'est possible. Faire les choses justes a souvent des effets positifs à long terme. Voilà donc tout ce que l'on a à proposer aux Ouïghours. Attendez, patientez, ça finira par aller mieux. Sauf que l'on parle de génocide. Face à la démission de la communauté internationale, Metter pourrait tout arrêter, mais elle s'y refuse. Je vais faire du mieux que je peux, parce qu'étant Ouïghour moi-même, je me sens moralement obligée de faire ma part. Je pense que je vais continuer et passer ma vie à me battre pour la liberté de mon peuple. Et surtout, continuez de donner un visage à chacune des victimes de la répression chinoise, pour que nul ne puisse prétendre un jour que l'on ne savait pas, que ça n'existait pas. En 1996, un Ouïghour m'avait dit « si rien ne change, nous allons disparaître, et le pire, c'est que personne n'y prêtera attention ». Ce documentaire, c'est le minimum que je pouvais faire.